La sainte et grande mosquée de la Mecque, Masjid al-Haram, est une toile d'image, celle d'une structure architecturale, d'un lieu de pèlerinage, de prière et de réflexion. C'est juste pour vous dire que c'est notre première hajj ici, on le jure, on se sent à l'aise. C'est une bénédiction pour nous de pouvoir participer à une telle chose. Essence même de l'islam, la mosquée al-Haram regorge en son sein la Kaaba. Une structure cubique recouverte d'un tissu noir appelé Kiswa et d'une porte en or. Selon le Coran, la Kaaba a été construite par la main d'Ibrahim et de son fils Ismaël, ceci en s'aidant d'une éminence appelée Station d'Ibrahim. La Kaaba, c'est cette direction vers laquelle tous les musulmans se tournent lorsqu'ils prient. C'est le premier lieu saint et je suis très ému d'avoir vu la Kaaba. Ma joie est immense. C'est indescriptible. Je n'ai même plus envie de rentrer chez moi. Les majestueux minarets aiguillonnent le ciel, symbole de la grandeur de l'islam. Ces minarets sont également utilisés pour l'appel à la prière. Centre spirituel, la Masjid al-Haram est le point de départ et d'arrivée pour les pèlerins du Hajj, l'un des cinq piliers de l'islam, ainsi que pour la Umrah, le petit pèlerinage.